Il était une fois, il y a 20 ans, un jeune homme et une jeune femme, très amoureux, formèrent un couple. Puis, peu de temps après, la femme tomba enceinte. Puis c'est 7 garçons qui sont sortis de ce ventre. Mais malheureusement, l'un d'entre eux mourra. Et ils étaient plus que 6. Mais, parmi les 6 enfants, l'un était plus éloigné que les autres. Et il était donc rempli de solitude qui se transformera plus tard en colère. Qu'est-ce que tu me veux? Alors, tu te demandes pourquoi t'es là? Durant toute ma vie, vous m'avez toujours laissé seul. Et tu vois, c'est aujourd'hui que tu vas en subir les conséquences. Tu sais très bien qu'on a vécu une mauvaise enfance. Et aujourd'hui, il est l'heure de se venger. Et je vais donc exécuter un plan pour mettre un terme à cette société. Et je vais d'abord vous éliminer, mon frère. Je m'en fais pas. Je vais t'arrêter. C'est ce qu'on verra. Je te jure, t'es mort. Allez, dégagez de là. Ou sinon, je bute votre chef sans hésitation. Alors, laissez-moi partir. Attrapez-le! Il faut vraiment que j'arrête mon frère. Avant qu'il fasse un désastre. Je sais pas quoi faire. Il faut que je réunisse la famille. Le premier des 4 frères, c'est Skyrad. C'est un expert en armes à feu. Il est très sérieux et discret car... à l'âge de 14 ans, il a tué son grand-père avec une arme et ses frères lui en ont voulu. Et il ne rate jamais sa cible. Avec ses 2 flingues, il peut assassiner plusieurs cibles en même temps. Puis le deuxième des frères, c'est Shyler. C'est un hacker professionnel. Il fait partie des meilleurs du monde. Il fonctionne plus avec son cerveau qu'avec ses muscles. À l'âge de 8 ans, il a fait exploser le téléphone à quelqu'un. Rien qu'en le piratant. Il est très intelligent, mais timide. Alors, la technologie... il connaît bien. Et voici Gritchir. C'est le plus fort en armes martiaux de ce pays. Avec son humour et sa beauté, il est le plus séduisant et le plus cool d'entre eux. Il peut mettre KO une cible avec 2 doigts. Donc, il faut pas le faire chier. Et le dernier... c'est Rojo. C'est un peu le fond d'équipe, mais il est très fort avec ses gros muscles. Il a une force surhumaine. Il a déjà réussi à porter un camion. Donc, je vous conseille de pas faire un bras de fer avec lui. Bon, je vous ai réunis ici, car l'heure est grave. Seuls vous 4 peut stopper tout ça. Notre frère a voulu me kidnapper, mais il a voulu me torturer et me tuer. Mais j'ai réussi à l'en empêcher, donc je vous ai réunis aujourd'hui. Rojo, Shyler, Dritchie et Skyrad, pour mettre fin à ce que notre frère va faire. Quand j'ai été kidnappé, j'ai pu mettre une puce sur lui pour le détecter. Et il suffit juste de le traquer.
Je vais demander à toi, Shyler. Que tu puisses le traquer avec... Il est où? C'est moi qui l'ai. Un petit tour de passe-passe. Mais... comment t'as fait? Oh, c'est pas grave. Donne-le à Shyler, s'il te plaît. Ok, ça marche. Tiens. Oh, ok, j'y vais. Je compte sur toi pour que t'essayes de le traquer. T'inquiète pas, je vais le localiser. Ok, en attendant Shyler qui traque ce fumier, il faut se préparer mentalement. Êtes-vous prêt à sacrifier votre vie? Êtes-vous prêt à veiller les uns sur les autres? Êtes-vous prêt à exécuter l'un de nos frères? Et êtes-vous prêt à montrer au monde qu'on est les seuls à pouvoir l'arrêter? Alors, il faut se préparer. Dretchi, fais ce que tu sais faire le mieux. Libère-toi. Skyrad, toi, tu protégeras nos arrières. Rojo, est-ce que tu es prêt à réunir ta force? Moi, je suis déjà prêt. Dès qu'il m'a kidnappé, j'ai senti que notre frère n'était plus parmi nous. Je ne sais pas... encore. Ce que notre frère veut faire. Il faut l'arrêter à tout prix. Car je pense que ça va être plus que grave. Et nous sommes les seuls... dans cette ville... à pouvoir l'en empêcher. Mais malheureusement... je sais que ça fait longtemps... qu'on s'est pas vu entre frères, mais... je vous ai réunis ici... c'est pour une bonne raison. Donc... ne me décevez pas. Quelqu'un a une question? Moi. Je peux aller aux toilettes? Bon, quelqu'un a une vraie question? Y a pas de question pour moi. Y a que des réponses. Non, moi c'est bon. J'ai conçu ce matériau. C'est un gadget que j'ai conçu. Et en fait, je crois que c'est hyper léger, mais ça peut mettre KO une cible. Fais voir. Regarde. Oh ! Excuse-moi, j'ai vraiment pas fait exprès. Oh, même pas mal. Ça, du coup... c'est un gadget très précieux, mais je vais le donner à toi, Gary. Il va te servir. Merci, je vais le mettre dans ma manche. Comme tu dis, ça pourra toujours me servir. Les gars, je suis revenu. C'est bon, je l'ai localisé. Alors ? Est-ce que vous êtes tous prêts pour affronter notre frère? On va réussir à l'affronter. Tous ensemble. Par tous les efforts nécessaires. Jusqu'à notre dernière parole. Alors, ça va être un Noël de folie. J'espère... que vous êtes prêts à affronter mes frères. Car ils savent où on est et ils vont venir. Mais vous inquiétez pas. Quand j'étais tout seul, j'ai observé mes frères pendant très longtemps pour m'entraîner dans ma manière de combattre. J'étudiais chacun de leurs mouvements, un par un. Je regardais en boucle et en boucle. Cela était très important pour que je sois plus fort. Et pour que je puisse réaliser mon plan. Mes chefs, on vous suit depuis le début, mais on ne sait toujours pas c'est quoi votre plan. Eh bien, à l'approche de Noël, pour chaque cadeau offert pour des enfants, eh bien, j'ai placé une bombe. Et...
c'est avec ce détonateur que je vais pouvoir les faire exploser. Mais... pourquoi vous faites ça? Comme j'ai passé une enfance moisie, où j'étais seul, toujours seul, je veux pourrir la vie des autres enfants qui ne méritent pas de vivre, en les butant. Mais je n'ai pas signé pour tuer des enfants, moi, chef. Eh bien, très bien. Je respecte ton choix. Eh bien, respecte le mien. Qui n'aime pas mes choix maintenant ? Je préfère ça. Alors, préparez-vous à leur arrivée. Ok, chef. Oui, bien reçu. Aujourd'hui, mes camarades, je connais les lieux de là où il se trouve notre frère Jason. Et grâce à ça, j'ai réalisé un plan. L'endroit où se trouve notre frère est sécurisé par beaucoup de gardes. Ok ? Skyrad, tu vas t'en occuper. Tu vas te charger de les éliminer un par un. Je veux enfin pouvoir tuer quelqu'un avec mes bijoux. Ensuite, une fois que le dehors sera dégagé, on pourra passer à l'action et rentrer dans le bâtiment. Il faudra s'y prendre discrètement. À partir de là, je n'ai plus les plans. Mais, Shyler, tu vas nous indiquer les plans de la caméra, ok? Tu as un rôle très important. C'est toi qui vas nous dire, dès que tu trouves un garde, où il est pour qu'on l'élimine au plus vite. Ok. Une fois que j'aurai les caméras de surveillance, je... Ouais, pour... De toute façon, je suis pas fait pour le combat, moi. C'est sûr. Moi, je serai en première ligne. Je serai devant. Du coup, Skyrad, tu resteras en arrière et tu rentreras pas dans le bâtiment. Tu verras s'il y a des gardes qui viennent en renfort ou pas. Ok, Gary, y a pas de souci. Et puis ensuite, Dritchi et Rojo, vous venez avec moi. Vous devrez rester à mes côtés. Puis ensuite, une fois qu'on sera rentré avec moi, Dritchi et Rojo, il y aura beaucoup de gardes, donc nous, va falloir se battre pour les éliminer. Et enfin, nous ouvrirons la voie à Rojo pour qu'il puisse traquer notre frère. Donc, Dritchi, tu m'aideras à vaincre cette sbire. Et moi aussi, je vais essayer de me battre. Ok, t'as raison. Je vais m'occuper de ça. Si on arrive à faire ce plan, on pourra lui régler son compte. Et puis ensuite, Rojo, dès que tu vois notre frère, Jason, tu n'hésites pas à l'éliminer et à le courser. Je m'en chargerai, Gary. Et t'inquiète pas, on va réussir. Alors, on va réussir. Et que l'union fait la force. Car, à 5, on est plus fort que tout seul, pas vrai? J'ai confiance en vous. Alors, allons-y. Ok, je peux vous voir. Thank you.
C'est bon. Je suis connecté aux caméras de l'intérieur. Oh, un garde! Bien joué, Skyrad. Bien joué, Skyrad. Mais reste sur ta position. Vous inquiétez pas. Je reste ici. Et vous pouvez compter sur moi. Que je puisse garder vos arrières. Attention, les gars. Il y a deux gardes devant vous. Cachez-vous. Bien joué, les gars. Ouais, je sais. On n'est pas héros pour rien. Attention derrière toi. Oh. Oh bien, je suis surpris. Bien joué, Gary. Tu nous dis nous pas mal, mais toi pas mal. T'as vu ça? Maintenant, il y aura une tonne de gardes devant vous. C'est combien pour toi une tonne de gardes? 3-4, pas plus. Tu es sûr? Bon, 6-7 en fait. Tu es vraiment sûr? Bon, 10 en réalité. Quoi? Tranquille, on va les défoncer. T'as raison. Merde. Du coup, on est repéré. Ouais, ça va, tranquille. Un petit tour de passe-passe. De toute façon, ils savent que ce sont des gars morts. Ils ont fait le même mouvement. Tu as copié ma phrase. Car vous, vous êtes tous morts. Viens te battre. Avec plaisir. Ah.
Rojo, va le courser. Ça marche. J'allais pas abandonner mes frères. Merci Skyrad. Jason. Ça va, Dritchy? Ouais, ça peut aller mieux. Je sais que t'es fort, Dritchy. T'es revenu? Alors, tu l'as eu? Il m'a échappé. Il a réussi à me battre. T'en fais pas, Rojo. Moi aussi, j'ai pas réussi à le battre. Il est beaucoup trop fort. J'en ai subi les conséquences. J'étais en face de lui, et il m'a assommé le crâne. C'est pas grave, Rojo. T'as fait de ton mieux. On l'aura une prochaine fois, les gars. Les gars? Shyler? Qu'est-ce que tu fais ici, Shyler? Y a un problème. C'est quoi le problème? Notre frère Jason savait qu'on allait venir. Quoi? Mais... comment il peut être au courant de notre plan? On n'en a parlé à personne. On l'a gardé pour nous cinq. Pour qu'il sache notre plan. Toi, il a placé des micros sur nous pour savoir ce qu'on allait dire. Oui, c'est possible. Ou soit... soit quoi, Shyler? L'un de nous nous a trahis et tient avec lui. Les gars, vous inquiétez pas. C'est sûr que Jason a placé des micros. On se trahirait pas les uns les autres. Car on ne veut pas suivre le chemin qu'a pris notre frère. Donc, ne vous inquiétez pas. Il voulait sûrement nous induire en erreur. Personne d'entre nous cinq voudrait... le suivre dans son plan et tuer des gens. T'as raison, Shyler. On peut pas se trahir les uns les autres. Il a sûrement fait quelque chose pour qu'il puisse nous repérer et savoir ce qu'on a fait. Mais on s'en fait pas, on se prépare à la prochaine étape. Et au fait, il est pas avec nous, Skyrad? Il m'a dit... il voulait partir un instant pour souffler et se reposer. Mais il va revenir au moment du combat.
Sinon, ça va ta tête, Rojo? Oui, ça peut aller. Mais... il y a un truc que je vous ai pas dit. Quand j'ai essayé de rattraper mon frère, notre frère, Jason... il m'a dit c'était quoi son plan. Il veut... tous les enfants de cette ville. Il a placé une bombe dans chaque cadeau. Pour chaque enfant. Pour les faire exploser. Pour l'approche de Noël. Et il possède le détonateur. Les cadeaux sous les sapins de Noël sont prêts à être explosés. Mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Parce que j'ai pas eu le courage de le dire. J'y croyais pas. Aujourd'hui, maintenant, je pense que c'est vrai. Je pense que je peux localiser le détonateur pour savoir où il se trouve. Et ensuite, arrêter toutes les bombes. Faut surtout pas qu'il fasse ça. Ça sera la fin de tout. Avec mon PC, je vais localiser le détonateur pour qu'on localise Jason. Ok, ça marche. Je viens avec toi. Ok, je viens avec vous. Alors, c'est bon? T'as réussi à les localiser ou pas? Non, le chargement est à 50%. Il faut encore attendre. Et alors toi, Gary? Ça va, sinon? Tout va bien? Ouais, bah écoute, ça va. Hein. Toujours policier et... voilà, je travaille seul. Et toi, ça va ta vie d'héros alors? Bah... oui, ça va, ça me plaît, j'aime faire des petites figures et tout, voilà quoi. Mais t'aurais dû nous suivre, je sais pas pourquoi tu es resté dans ton coin. Bah tu sais, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas jouer les héros, je préfère être un flic, faire régner la justice et l'ordre. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, tu nous manques petit frère. Chargement à 70%. Espérons que notre frère ne fasse pas de mal. Et sinon, je te rappelle ce que notre mère nous avait donné. Moi, elle m'avait donné un cheval parce que elle disait toujours que j'étais agité comme un cheval. Oui, je me rappelle. Moi, elle m'avait donné un gyrophare de policier parce qu'elle disait toujours que je respectais toutes les règles et je voulais les faire instruire aux autres. Mais finalement, avec cette histoire de notre frère, d'éliminer tous les enfants, ça nous a rapprochés. Donc, c'est pas si mal, en fin de compte. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça nous fait du bien de te revoir. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ça nous fait du bien de te revoir. Et ça faisait hyper longtemps. Ça me fait plaisir, en tout cas. C'est bon les gars, le chargement est terminé. Ok, donc tu sais où il se trouve? Oui. Rojo, je te cherchais. On sait où il se trouve Jason et on va y aller. Qu'est-ce que tu fais là? Rien de spécial. Juste, je suis là, j'attends qu'on me donne les ordres. Oh, toi aussi t'as ça quand notre mère l'avait donné. Moi aussi je l'ai. Oui, je l'ai toujours. Toujours et toujours. Notre mère,
l'avait pas donné qu'à vous. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi vous me traitez tout le temps comme ça? Pourquoi vous m'insultez toujours? Qu'est-ce que je fais? Je vous ai fait du mal? C'est vrai, quoi. Depuis que je suis tout petit, vous arrêtez pas de vous foutre de moi, de dire que je suis le gros con de l'équipe. Et moi, ça commence à me saouler. Je reçois les ordres et je suis juste un petit toutou. Mais qu'est-ce que tu dis, Rojo? C'est pas du tout vrai. On fait juste ça pour te charrier parce qu'on t'aime bien. C'est juste pour nous amuser car une vie de super-héros, en fait, tu t'amuses pas. Si on t'a fait du mal, on est vraiment désolé. Ouais. T'as raison. Mais allez, viens. Je sais pas à quoi en penser, mais c'est pas grave. Là, ce qui importe, c'est d'arrêter Jason. Bon. Vous êtes tous prêts? L'endroit où se trouve Jason est à côté. Oh, Skyrad, t'es revenu? Nouvelle lunette? Oui, c'est pour ça que j'étais pas là. Mon technicien m'a dit qu'il m'avait trouvé des lunettes plus performantes. Pas de soucis, Skyrad. Je dois venir avec vous, car je dois placer cet émetteur sur le détonateur de notre frère pour que je puisse désamorcer toutes les bombes. Très bien, Shyler, on te couvrira. Alors, je vous souhaite bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Je savais que tu allais me retrouver. On est au courant de ton plan, Jason. Appelle-moi Terror. Et je te préviens, si tu essayes de me tuer, j'appuie sur ce détonateur pour faire exploser tous les enfants. Tu n'es qu'un gros psychopathe. Non, je suis réaliste. Pourquoi je n'ai pas eu la chance d'être heureux, petit, alors que d'autres doivent l'être? C'est du passé, tout ça. Tu dois arrêter. Jamais, car c'est le passé qui te bâtit. Et donc, moi, j'ai été mal bâti. Et au fait, tu es venu seul? Les autres frères ne t'ont pas suivi. De toute façon, tu as toujours l'habitude d'être seul. Tu nais avec la solitude. Tu sais très bien qu'ils ne t'ont pas suivi, car ils n'ont pas confiance en toi. C'est ce que tu crois.
De toute façon, qui pourrait me vaincre? Une famille. Non. Tu vas perdre. C'est ce que tu penses. Ok, il faut que je place cet émetteur sur son détonateur pour que je puisse désamorcer les bombes après. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non! Toi! Ok les gars, j'ai placé mon émetteur sur le détonateur. Je vais dans notre hangar pour la désamorcer. Ok Shyler, nous on a bientôt fini de buter les gars. C'est fini Jason. Tu n'as plus d'alliés, tu es tout seul. Tu en es sûr Gary, car... j'ai toujours un coup d'avance. C'est bon, je suis de retour dans le hangar. Je commence à pirater le détonateur. À ce moment précis, tu penses avoir gagné. Comme d'habitude, tu penses toujours gagner. Mais... il y a un truc qui va se passer. Et vous allez perdre à cause de ça. Quoi? Roto? Rojo? Pourquoi? Tu travailles avec lui depuis le début? Rojo? Mais c'est impossible. Rojo? C'est toi qui nous as trahis depuis le début? C'est toi qui as révélé notre plan à Jason? Pourquoi tu le suis là-dedans? Je comprends pas. C'est simple. Quand j'avais été aux toilettes au début, c'était pas pour aller aux toilettes. Ouais, allô, mon frère? Ils s'avoutaient, je suis avec eux. Ils vont te trouver, ils vont te repérer, alors prépare-toi. Je dois te laisser. C'est bon, ils sont plus là, je te laisse t'enfuir. Je dirais que tu m'as vaincu. Allez, enfuis-toi. Ok, ça marche. Essaye qu'ils te grillent pas. Non, ils savent pas encore que je travaille avec toi. Ok, t'en es sûr ?
quand je t'ai fourni les plans. Ils ne savent rien pour l'instant. Tu essayes de rester le plus longtemps avec eux et essayer de savoir ce qu'ils veulent faire avec moi. Et tu m'indiques tout. On se rejoint dans le combat final. Et c'est comme ça que j'avais pas réussi à attraper Jason, car je travaillais avec lui. Puis c'est depuis tout petit. On pensait que Jason était tout seul, mais moi j'allais le voir régulièrement, car il ne méritait pas d'être tout seul. Je savais pas pourquoi on l'écartait de nous. Depuis le début, je sers à rien. Vous vous moquez toujours de moi. Et seul Jason me considère comme un vrai frère. Donc c'est depuis le début que je travaille avec lui. Bien, maintenant que les jeux sont équilibrés, il est temps de souffrir. Non, Gary, 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 Gary. Dritchi! Dritchi, parle-moi! Parle-moi! Dritchi! J'arrive pas à respirer. Je peux respirer. Dritchi! Dritchi, tu vas t'en sortir! Tu vas t'en sortir! On va t'aider! Dritchi! Je suis désolé, Gary. Ça va. Je veux m'en sortir. Pourquoi t'as fait ça? Ça aurait dû être moi, Dritchi. Pourquoi? J'ai toujours rêvé de me sacrifier pour toi. Combattre Jason. Je suis désolé, Dritchi. J'aurais pas dû vous impliquer là-dedans. Je suis désolé. Je suis désolé, Gary. Un petit tour de passe-passe. Dritchi. Repose en paix. Dritchi. Non. Tu sais ce que ça fait maintenant de perdre quelqu'un. Moi, j'ai perdu mes 5 frères. Gary, te rapproche pas, car j'ai toujours le détonateur. Si tu te rapproches et si tu me touches, je fais exploser tous les enfants. Gary, arrête de t'énerver, il va faire exploser tous les enfants. Si tu le frappes, mon chargement est à 70%. Attends un peu. Ça n'a plus d'importance.
Gary, arrête ça. Tu dois arrêter. Le chargement est à 85%. Arrête. Tu seras pas capable de me frapper. Jason, tu n'avais pas le droit de tuer l'un des nôtres. Gary! Tout cet énervement pour qu'une simple égratignure. T'aurais pas dû faire ça, Gary. Non. Quoi ? Désamorçage terminé. Bien joué, Shyler. C'est pas grave. Je voulais t'affronter moi-même. Laisse-le-moi. Tu vas souffrir. Merci, Skyrag. Occupe-toi de Rojo. Samar. T'es mort, Skyrag. Plus de balles. Oh non, les gars. T'es vaincu. Je te l'ai dit depuis le début. Mon plan se réalise enfin. De vous éliminer tous. Sous ma volonté. Petit tour de passe-passe. Gary. Un petit tour de passe-passe. Un petit tour de passe-passe. Dritchi.
C'est fini, Jason. Je veux pas me faire tuer. Par toi. Tu as voulu nous battre, mais tu n'as pas réussi, Jason. On est plus fort que toi. On l'a toujours été. C'est fini pour toi, Jason. On t'a vaincu. Ok. Je m'admets pas vaincu. Vous verrez plus tard ce qui va arriver. Gary, on se retrouve dans l'autre monde. Bien joué, les gars. Vous avez réussi. Ça va, Skyrad? Il y a eu assez de massacres pour aujourd'hui. Il me manque déjà, Skyrod. Moi aussi, Gary. T'inquiète pas, Gary, ça va aller. Oh, regardez. Un homme s'appelant Jason a voulu faire quelque chose d'abominable le soir de Noël. Mais ses cinq frères jumeaux ont réussi à l'en empêcher, en réunissant leurs forces, tous ensemble. Skyrod, Shyler, Rojo, Grichy et Gary. Ils se sont battus jusqu'à leur dernier souffle pour éviter de faire exploser tous les enfants de cette ville car Jason avait placé des bombes dans les cadeaux. Et c'est grâce à cette bande que Jason et son gang ont été éliminés. Les informations ne précisent pas que dans tout ce drama, il y a eu Rojo qui nous a trahis. J'arrive pas à y croire. Et surtout Grichy. C'est ça qui est bon. Il s'est sacrifié pour toi en héros, car il le voulait. T'inquiète pas, ça va aller, Gary. Il s'est sûrement sacrifié pour une bonne raison. Vous avez raison. On va rester à trois, unis, jusqu'à la fin, je pense. Que c'est ce qu'il voulait. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de passer le meilleur moment de notre vie et à la fois le pire. Car, pour une fois, depuis qu'on est tout petit, on était enfin tous ensemble, comme des vrais frères. Mais malheureusement, Drichy nous a quittés trop tôt. Toute vie s'achève. Mais sa vie ne méritait pas d'être achevée, maintenant. On avait fait la promesse de rester solidaires jusqu'à la fin, pour honorer notre frère. Et c'est aujourd'hui que je comprends enfin que la vie doit trouver son équilibre. Car je retrouve mes frères, mes quatre frères, mais j'en ai perdu deux. Pour le monde, ce fut une réussite. Mais pour nous, ce fut un échec. La vie est comme un échiquier. Il faut avancer les bons pions pour pas les perdre. Et nous, on avait perdu notre roi. Tu me manqueras.
Drichi. Repose-toi, en paix. Mon frère. T'es le meilleur d'entre nous. C'est toi qui m'as aidé à m'aventurer dans cette vie. Et aujourd'hui, tu n'es plus là. Tu t'es sacrifié pour moi. Tu me manques. La vie n'a pas été juste envers toi, car tu méritais de vivre. Alors, profite de ta nouvelle vie dans l'autre monde pour te reposer, car tu le mérites. Et oublie pas, on est tous avec toi, Richie. Tu étais plus qu'un frère pour moi. Tu faisais partie de moi. Je pouvais toujours compter sur toi. Malgré qu'on n'a pas eu le temps de se voir, j'ai compris enfin que tu étais là pour moi. Tes frères. Tu as donc le mérite
d'être exécuté par moi. Cela fait trop longtemps que je suis caché. Il est temps pour moi de montrer ce que je fais. Je vous fais la promesse de ne pas échouer. Vous aurez beau me craindre et vous aurez beau me fuir, on ne m'échappe pas. Quelle bande d'idiots. Bon, vous avez déjà signé pour votre arrêt de mort. Ne soyez pas inquiet, car je vous dis à très bientôt.